Et bonjour tout le monde, c'est Revenge Bill et bienvenue sur Hearthstone pour le bras de fier des familles, à chaque fois que mon ordinateur ne surchauffe pas trop. Le paladin c'était rigolo tout à l'heure, dernière vidéo, le paladin était bien sympathique au demeurant. On va continuer. On va refaire un peu de Gul'dan. Faudrait peut-être que je le monte un peu mon démoniste quand même. C'est honteux de pas l'avoir monté, pas avoir toutes les cartes communes. C'est-à-dire que je n'aime pas jouer démoniste. Pendant un moment, je pensais, surtout, au début, quand j'ai commencé à jouer Hearthstone, je désenchantais surtout les cartes. Et c'est qu'il y a quelques temps, un moment déjà, un an je crois, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au jeu, que j'ai vraiment essayé de me classer, et que j'ai gardé toutes les cartes que je tenais dans les boosters. La victoire ou la mort, ça me plaît. Par contre, elle paraît très intéressante. Mais l'invocation géniale, ça c'est intéressant. Donc j'ai gardé le pouvoir là, le truc. J'espère pouvoir en jouer deux d'un coup. On verra bien si ça marche. Oh pardon. Bienvenue. Ouais. Étonnant. Quoi? Je t'ai dit bonjour. Tu dois bien savoir que admirable sur Garrosh, c'est étonnant. D'ailleurs, voir le rapport entre quelque chose d'admirable et étonnant. Voyons si ça marche, ce que je pensais. Vous avez l'artefact? Je dois faire un choix. Non, ça ne marche pas, donc... Ah, pas mal. Intéressant. De toute façon, j'ai rien pour le cibler, ça. Donc ça, c'est ce perso légendaire, là, Aedis Plaie Sombre. C'est dans ce bras de fer un des héros les plus inutiles, une des cartes les plus inutiles. T'as rien pour la cibler. Vous avez l'artefact? J'aimerais bien savoir ce que c'est le singe doré, là, le conte du singe doré ou je sais pas quoi. Une invention géniale. Quoi? Attends. Merde, j'ai pas le temps de lire. Transforme un serviteur aléatoire en poulet. Est-ce qu'il va me la laisser? Ça m'étonnerait. Et comment il s'appelle? Le poulet utilisateur. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, pour ceux qui ont Netflix, vous avez entendu tout à l'heure une des séries qui s'est lancée sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je regarde Perdu dans l'espace qui est une... Ouais, c'est sympa comme série, c'est rigolo. Le fléau va vous consumer. L'ambiance est bonne. Ah. Putain, dans le deck, t'es sérieux. C'est une légendaire, bon ça je l'ai vu. Le dessus de la carte était marqué. Le fléau va vous consumer. Deux fois l'heure d'agonie. Oh, ils m'ont pas laissé le poulet utilisateur. Enfoiré. Un ferait des réactures et des renures et des bidets. Oui. Non, mais c'était pas lui qu'il fallait le mettre. Il est con. Non, mais il va jouer comme une râle d'agonie. Non mais laisse-le, non laisse-le, s'il te plaît. Bon, c'est bien. Tu m'aides bien. Bon. 3. 6. 6, ça c'est géré. Ensuite. J'ai gardé à peu près tout. J'ai gardé à peu près toutes mes beasts. Donc il va falloir que je sacrifie des beasts. Ouais, je sais. Et il va falloir. J'ai gardé de quoi sacrifier donc. M'en fous. Là, on commence à avoir masse de l'offensif. C'est intéressant. Détruire un serviteur légendaire si vous avez un dragon en main. Ah, je me suis fait mal en plus.
Même pour chaque carte dont vous êtes défaussé pendant cette partie, pas tout de suite. Tour de 5. Donc, on va faire 6-1 contre ça, 6-3 contre ça. On tape sur toi à 3. On va jouer ça. Et ce sera la fin du tour. Je me suis pas défaussé en fait, donc c'est pas. C'est de la merde. Donc, 3. Je 4-5. 6-7, allez. Ouais, c'est une 3-5 pour 2, c'est toujours intéressant. Il va se la laisser, ça là par contre, il va se la laisser, c'est intéressant. C'est de la pioche. Oh, mais qu'il est chiant. Casse-couille. Bon, déjà, on va faire ça d'office. Donc, j'ai pioché. De toute façon, je jouerai ça après, donc. Ah! Dommage qu'il ait pas eu un d'attaque de plus. Là, je suis pas loin de la déco, par contre. Parce que l'effet ne s'est pas activé. J'ai été déco. Bon, je vais remettre la... Je remets la 3G. Je reviens. Ouais, voilà. C'est le problème. En fait, je peux pas tourner en somme. S'il y a un seul autre appareil que les miens qui sont connectés sur le réseau, je peux pas jouer à l'instant. Là, je vais le jouer ici. Par contre, ça va planter parce que j'ai iTunes qui va se lancer comme d'habitude dès que je branche mon iPhone sur mon ordi. Mais c'est à moi ? Mais non, mais c'est pas moi ! Mais Taras ! Taras ? Le jeu de merde. Je peux rien faire. Ah, je suis niqué, je peux rien faire. Non, mais je peux rien faire. Oups. C'était une erreur. Je suis niqué, je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est bugué. Si ça revient, je vous reprends, donc je fais une pause. Je laisse le record tourner, on va voir ce que ça donne. Oh ben, bon, les gens, ça veut pas revenir. C'est bugué, donc je suis obligé d'abandonner. Ah bah ouais, c'est complètement bugué, donc j'arrête le record là, je ferme le jeu. Et bah à bientôt, tout de suite. Bon, les gens, je relance le jeu, j'espère que ça va être plus clément cette fois. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ah putain, il y a la 3G qui me fait chier. Compliqué tout ça, c'est compliqué. Oh, quelle nuit effroyable! On va voir si ça va mieux. On va réessayer le démoniste. Quand même, le jeu ne veut pas que tu joues démoniste, c'est qu'il y a un problème. J'oserais dire. Bon. C'est relaissé. Ça marche pas mieux. Ah! Ah, et j'ai plus d'eau en plus. J'ai même pas d'eau. J'ai plus d'eau du tout. Galère. Ah, j'ai plus d'eau du tout aussi. J'ai dans la pièce à côté, mais. Pff, la flemme. Je suis en train de record, donc la flemme. Ah. Anduin. Le bien contre le mal. Ça portera la victoire. Ça, c'est tanky, ça. Ouh, ça me plaît. Par elle, le reste, ça me plaît. Non, c'est trop cher pour le reste.
Attends. Plus en bas, j'ai autre murloc sur le champ de bataille. Ah, intéressant, parce que jeu offensif, double murloc. Quel superbe spécimen. Pourquoi ? Non, mais... Superbe. Il se rembose là. Quel superbe. Ouh, ouais, c'est le bon combo. Ça, c'est le bon combo, ça. Ça, c'est du combo, ça. Au secours. Moi, j'ai... Ouais, ouais. Extraordinaire. Désolé, je suis à la boue. On va en éliminer quelques-unes. Quand même, tour 1, avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 gorgones, c'est violent. Là, je réduis à 5, donc c'est bon. 3. C'est ce que je voulais faire, merci. Putain, il recommence. Et il recommence. Ah, un score. Et moi, je suis baisé, je peux rien faire. Il suffit qu'il en garde une. Il suffit qu'il en garde une en jeu. Comment on fait pour gagner comme ça? Juste pour savoir. Je peux rien jouer. Au secours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis... je suis 8. J'ai perdu quoi. Je peux rien jouer. En fait, je suis foutu parce que quoi que je joue, je peux rien jouer parce qu'il a trop de gorgones, j'ai rien pour les contrôler. À moins d'un miracle, c'est pour ça que je reste, sinon je capitule. Il a eu le. Là, il a eu la carte parfaite. Il a eu la carte parfaite. Et bien joué. Donc, ouais, je vais être gentil, je vais faire gagner du temps. Et je m'en fais. Ouais. Non, mais non, il y a le temps. Je vais capituler pour le faire gagner du temps, mais non. Merci. Oh, ouais, je vais arrêter de tourner là, je commence à capituler. Ça s'entend d'ailleurs. Bon, ben, j'aimerais bien... J'ai jamais eu cette carte. Non, moi, j'aimerais bien l'avoir, elle me plaît. Bon, allez, bye-bye. En double, en plus, en double dans la première main, c'est parfait. C'est victoire garantie, parce que le bras de fer ne permet pas de jouer suffisamment rapidement. Il n'y a pas de légendaire trop abordable qui se clone aussi rapidement. Non, c'est dommage. Bon, allez. Allez, au plaisir, les gens. Allez, abonnez-vous.